jour qu'on pouvait constater, on travaille la foot blanche et en même temps la maltaise pour l'avoir assez rapidement. Donc, comme j'ai expliqué hier, Enzo, qui était en ligne, m'a expliqué qu'il fallait que je muscle la scapula, c'est-à-dire le haut du dos. Mais il m'a dit il faut que tu muscles à fond. Il m'a dit les épaules, tout est bon, le carré lombaire il est bon. En fait, c'est la scapula qui permet de faire tenir la foot blanche. Je remercie Enzo et on va travailler ça très durement. On va renforcer tout ça. C'est parti. Pendant un mois, on va renforcer la scapula. Motivation, persévérance, détermination, force, honneur, courage. Merci Enzo. Persévérer malgré la difficulté. Une chose nécessaire dans l'accomplissement d'un rêve. L'avenir paraît incertain. La vie est imprévisible. Dans un monde où tout est éphémère, instable et fragile, vous devez être durable, stable et solide. Vous savez, chaque jour n'est pas simple. Et la vie nous donne constamment du fil à retordre. Et pour être honnête avec vous, je passe la plupart de mes journées devant un ordinateur, à trouver un moyen de faire la différence. Je remue ciel et terre pour trouver une ouverture qui me permettra de me propulser. Et je souffre beaucoup. Mais ça fait bientôt 3 ans. 3 ans que j'avance. 3 ans que je suis sous pression. 3 ans que j'endure. Mais je sais que je mérite plus. Je sais que toute cette souffrance ne durera pas. Tout ce travail ne servira pas à rien. J'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Toute cette souffrance est temporaire. Et peu importe le nombre de fois que j'ai réessayé, peu importe le nombre d'échecs que j'ai essuyés, je n'abandonnerai jamais. Je vais persévérer. Mais pourquoi? Pourquoi continuer à avancer alors que rien me prouve que je réussirai? Pourquoi je m'inflige tant de mal alors que les choses ne semblent pas bouger d'un millimètre? Pourquoi persévérer? Si je continue, c'est parce que mon rêve le mérite. J'ai beau tout perdre, mes amis, ma maison, ma famille, mes biens, il me restera toujours mon rêve. Et c'est lui qui me permet d'être qui je suis. C'est lui qui me permet de me dresser face à cette vie et d'imaginer, de vibrer, de me pousser malgré les difficultés, malgré mes souffrances. Et jamais je le laisserai tomber. Jamais je l'abandonnerai. Il se peut que durant votre vie, vous ayez laissé sur le côté quelques idées, quelques rêves pensant que la vie ne vous laisserait pas les concrétiser. Il se peut que vous ayez souffert en tentant de réaliser quelque chose par le passé et que ça ait échoué. Mais vous devez savoir que c'est lorsque tout semble contre vous que vous devez être la meilleure version de vous-même. Lorsque vous voulez prendre de l'altitude, n'oubliez jamais que l'avion décolle face au vent et non avec lui. Si tout était si simple dès le premier essai, tout le monde aurait réussi. Mais n'oubliez jamais que pour avoir ce que peu de gens ont, vous devez faire ce que peu de gens font. Peu de gens persévèrent. Alors à chaque fois que vous êtes échoué, peu importe le nombre de fois que vous êtes rejeté, n'oubliez jamais que la vie vous teste et qu'elle cherchera toujours à savoir si vous avez vraiment faim. Alors faites-vous la promesse, dans tous ces moments de doute, dans tous ces moments de douleur, quand on pense que c'est fini, quand les choses n'avancent pas comme on le voudrait, lorsque vous serez sur le point de vous retourner et d'abandonner, lorsque vous êtes à bout, faites-vous cette promesse de résister un jour de plus. Faites-vous cette promesse de ne jamais abandonner et d'aller jusqu'au bout. Faites-vous cette promesse de ne jamais laisser tomber ce rêve, ne le laissez jamais mourir, car il prend vie à travers vous. Et si vous persévérez, il prendra vie à travers chacun de nous.
Pensez à tous ces visionnaires qui ont défié les lois de la nature, défié la logique. Nous avons tous un visionnaire en chacun de nous. Laissez-le s'exprimer. Vos rêves peuvent changer les choses. Ils peuvent changer le monde. Ne vous inquiétez jamais de l'échec. Inquiétez-vous de ce que vous manquerez si vous n'essayez pas. Ne croyez jamais que la difficulté est là pour vous détruire. Elle est là pour vous renforcer. Hi, Chris. Mr. Fry, I'm good to see you. Alors. Nice shirt. Quoi qu'il arrive, thank you, sir, Chris. Faites-vous cette promesse. Malgré toutes vos peines, toutes vos douleurs, faites-vous cette promesse de persévérer. Et je vous garantis que vous ferez une différence. Faites-vous cette promesse de persévérer.